Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Akit et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay commenté. Et aujourd'hui on se retrouve sur Bailout. Donc alors au début en fait je me suis dit bon allez, je vais faire une vidéo commentary en live. Mais après je me suis dit non, c'est Domination Bailout. En fait la particularité de cette map, c'est je crois c'est une des seules maps sur MW2 qu'il y a un spawn trap autant précis que elle, et c'est pour ça que je l'adore, et je la vote jamais. Enfin, en domination, après tout le reste, je vote, mais en domination, je la vote jamais. Donc regardez, hop, Akit qui prend B, je vais prendre beaucoup de points, et puis B, je vais bien le sécuriser, vous allez voir, je vais pas du tout camper dans cette partie. Je vais vite essayer de reprendre à chaque fois tous les points. Les points possibles, donc là hop, je prends B. Mais après en même temps, faut se rappeler aussi que il faut faire le spawn trap. Donc le spawn trap, vous allez voir ce que c'est à 30. Donc j'ai regardé, je me suis dit, bon allez, si je fais une 5 feed ou quoi, bon je la garde. Mais et donc j'aurais pas pu faire ce commentary, mais bon. Là, vu que j'ai fait que 4 feed, qu'un quad feed, et puis après, je l'ai plus fait. Donc voilà, donc ce parti va pas être excellente, hein, rassurez-vous, elle va pas. Je crois que je vais faire à peu près comme toutes les autres, à peu près, je vais pas mourir. Enfin, là cette fois-ci, je vais mourir un petit peu plus de fois. Mais bon, c'était surtout pour avoir un gameplay, pour vous parler, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandaient un petit peu plus à chaque fois, chaque jour, des gameplays commentés. Donc bon, allez, c'est pour vous faire plaisir ça, et puis avant tout, YouTube est un divertissement. Donc regardez. Là je rush avec mon spadou, je fais un hitmarker en headshot. Et là donc là, hop, je pose l'insertion ici. L'insertion va pratiquement être tout le temps posée ici. Donc là lui je le rate, morphine. Donc là je recharge, j'envoie mes deux paralysantes de tir de suppression. Je vois qu'il y a un mec qui envoie son javelin, en baroud, un kill. Regardez, ils sont tous là, ils respawnent tous là. Là je crois que j'avais fait une collate en fait. Et non en fait là je stressais un peu. Et non en fait donc celui-là je le garde pas de clip. Donc là normalement je vais me faire cuter. Voilà, là je me suis fait cuter. Et je vais faire que un kill ou deux kills. Ouais, un kill au missile prédateur. Voilà, donc bon. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver. Et puis aujourd'hui mon sujet de discussion va être très simple. Il va parler de Modern Warfare 3. Donc tout le monde a vu sur Code QG, je pense, la vidéo commentée par Monsieur H34DTouch, je crois que c'est un truc comme ça, bon bref. Franchement ça m'a donné vraiment bien envie là, ce Modern Warfare 3. Mais bon, en même temps, faut pas espérer du lourd. Je crois pas que ça va être Infinity Ward qui va le créer apparemment. Donc bon, faut pas espérer du lourd, mais bon, j'espère quand même que ce Call of Duty va être un Call of Duty. Va pas être un Call of Duty Black Ops, quoi, un truc que je pensais que c'était même pas possible de créer une merde comme ça, quoi. Enfin, c'est bien Black Ops, mais bon, je sais pas, quand tu tires, on dirait que les balles c'est des Playmobil. Enfin, je sais pas, enfin, moi c'est mon avis. Les balles sont, je sais pas, irréelles, je trouve. Là, j'ai raté la quad feed et là, hop, double avec le SPA 12. Donc là, je me suis dit, attendez, là, je coupe vite fait. Je me suis dit, bon, allez, je vais essayer de faire un beau truc et tout. Et puis là, je vois que j'étais en plein milieu du respawn. Donc bon, il fallait pas que je me tue en même temps. Donc je temporise un petit peu. Et je repars à l'assaut. Boum, 1-2. 2 kills. Lui qui passe en baroud. Je me suis dit, bon, allez, plus qu'un, je débloque le Pavlo. Qu'est-ce que je fais? Il y en a deux là-bas. Et hop, raté. Et ouais, dommage. Mes séries de victimes sont. Putain, ça, je l'ai même pas dit à chaque fois, je l'oublie. Missile Predator, Harry, Pablo. Et mes séries, donc enfin ma classe, c'est Barrett, SPA 12. Oulala, là je l'ai grave raté. Barrett, SPA 12, passe, force d'oppo et visée solide. Donc vous pouvez voir que j'ai joué en anglais, donc des fois j'oublie un peu les termes français. Et puis alors voilà, question, j'hésite en fait à me prendre Modern Warfare 3 en anglais. Donc je pense pas que je vais me le prendre en deux sélections.
Mais si quelqu'un aurait l'information, si par exemple on pourra changer la langue directement du jeu, par exemple sur le jeu, au lieu d'en acheter un en version anglais, quoi, enfin voilà. Donc si quelqu'un a cette information, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Bon, de toute façon, vous laissez un commentaire pour me dire comment vous avez trouvé ce gameplay et ce commentary. Et puis ben, après, ben, vous me dites un peu les choses. Donc aussi, j'ai créé une page Facebook pour ceux qui n'avaient pas vu. Alors pourquoi j'ai créé une page Facebook? Donc ben, c'est très simple. Moi, je vais peut-être me lancer dans des défis. Donc il y a une personne qui m'a ajouté sur MSN et qui m'a parlé de défis. Donc par exemple, il m'a dit, voilà, je te choisis, tu joues sur Call of Duty 5. Enfin, allez, par exemple, hein, on a le choix entre tous les Call of Duty. Donc les Call of Duty que j'ai, hein, bien sûr, donc 4, 5, 6, 7. Il m'a dit donc, voilà, tu as le choix, donc, enfin, tu as le choix. Tu joues à tu joues par exemple, allez, sur MW2 à l'intervention. par exemple un bouclier anti-explosion ou même par exemple la dernière fois il y a une personne qui m'a dit ça et parce que vous êtes plusieurs à m'avoir réclamé de faire des défis comme ça. Et il y en a un qui m'a dit carrément, alors attention, la classe de ouf de Kikoulol. Non, enfin pas de Kikoulol, mais franchement j'ai toujours rêvé de mettre une nuque avec cette classe. Vector, silencieux thermique. danger, bling bling, danger rapproché. En deuxième arme, je sais plus ce que j'avais mis, je crois que c'était une arme bien pourrie, un truc, je sais plus ce qu'il m'avait dit, alors attendez, que je retrouve le, je crois que c'était Ranger ou un Ranger, Ranger en balle chemisée ou Striker en silencieux, silencieux viseur holographique et bouclier anti-explosion, danger rapproché et brouillage. Alors là, celui-là. Celui qui, si j'arrive un jour à mettre une nuque comme ça, franchement, je m'appelle papa moi-même. Oh là là. Oh my god. Donc, vous voyez quand même que je fais un bon carnage. Je campe pas trop, mais bon, je me fais tuer quand même assez beaucoup de fois. Enfin, assez beaucoup de fois. En fait, je rush. Et puis, à un moment, à la fin, j'avais carrément perdu de vue le truc de faire le spoon trap. Donc, je me suis dit, allez, go. C'est parti, faut pas perdre B, faut reprendre A. Et ils vont respawn en C. Mais en fait, le truc, c'est que j'entendais... La partie, je viens de la faire, hein, donc je me souviens exactement ce que j'ai fait, etc. Mais en fait, j'entendais... Lost C ou Lost B. Donc alors, quand c'était C, alors j'allais C. Et quand on entendait Sécurise A, et ben voilà, et ben je sais pas, moi, pour moi, Sécurise A, c'est-à-dire que le mec, il sécurise A. Donc après, ben, donc il va me cuter, ouais, voilà, ça, j'en suis sûr. Donc là je vais lui envoyer une paralysante, je crois, et il va mourir avec mes deux paralysantes. Ouais, voilà, ma première en tout cas. Donc voilà, donc là il y a un AC-130 pour nous. J'en souviens qu'on se faisait bien défoncer quand même au niveau de lance-patate et tout. Il y avait plein de trucs comme ça. Et puis voilà, donc pour en revenir vite fait à Modern Warfare 3. Alors j'ai vu qu'il allait pas avoir de sniper. Enfin bon, encore ça c'est... C'est pas un truc, enfin je pense pas qu'il y aura pas de sniper en manivelle, je pense que ça il garde la surprise. Mais franchement j'ai mis le M21 quoi. Le M21 il est pourri. En plus c'est le même que, encore dans Call of Duty 4, ça va encore. En QG Hardcore il est vraiment pas mal, moi je sais que j'aime bien. J'aime bien délirer à jouer M21 mais bon voilà quoi, sans plus. Alors quand vous voyez qu'ils veulent le mettre dans Call of Duty 7, le M21 EBR, le truc qui sert à rien, je trouve, je sais pas. Donc alors là, je me suis repris, je me suis dit allez go. Et là, je voyais un mec et pile, j'avais changé d'arme. Sinon, si j'avais eu le SPA 12, je pense que je l'aurais tué, mais bon. Alors lui, il me voyait pas, hein, il y a personne qui me voyait mettre l'insertion là-bas. Donc, je sais pas, bah, moi je continuais, hein, ma foi, donc là... Un gros problème, je savais plus où il respawnait. Donc je me suis dit bon allez, c'est le moment à quitte, il faut que tu prennes B. Donc allez, on va prendre B. Donc là en plus mes potes ont pris A. Et pile quand j'arrive, je vais aller au spawn trap. Normalement la partie va se terminer, un truc comme ça. Donc là regardez, hop, lui, je l'achève. Et voilà, normalement, donc là, regardez, hop, je vais aller au spawn trap. Donc là, j'essaie de viser un petit peu. Donc là, bon, lui, je le tue.
Et puis voilà, donc en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ma vidéo. Ah oui, ouais, voilà, que dit marqueur, ouais, non, c'est pas la... Ouais, bah, c'est la fin de façon. Donc en tout cas, merci d'avoir suivi ma vidéo. Je vous invite à commenter, aimer, mettre cette vidéo dans vos favoris. Et puis de m'ajouter sur ma page Facebook, donc c'est Akit Youtuber, donc YTBER. Et voilà, donc en tout cas, merci à tous. Et puis ben, bonne journée. Allez, ciao tout le monde.